Bonjour mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien aujourd'hui. En plus il y a du soleil, il fait très bon, il fait même trop chaud pour la saison. Mais on fait avec. Et aujourd'hui on est là pour ouvrir trois petits boosters Disney Princess. Alors c'est des 3D puzzles. 3D puzzles, comme ceci. Et on va s'ouvrir ça aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Du coup, je vais les mettre juste là, un peu de côté, et on va commencer avec le premier qui a une ouverture facile. Ça n'a pas l'air. J'ai bien fait de prendre mes petits ciseaux. C'est les amis, les ciseaux. Quand on ouvre ces petits machins. Hop là. Ah oui, je vous ai pas présenté ce qu'il y avait. Voilà, je vais. Quand il suit. Ah! On n'a pas vu, on n'a pas vu. On sait qu'elle est blonde. C'est pas grave. Regardons pas. Alors, j'ai pas présenté. Du coup, on a Cendrillon, Blanche-Neige, oh, Réponse, La Bête. Il y a encore juste ici Aurore. Oh, Cendrillon. Oh, je sais plus. Une petite sirène. Et alors, on a réponse en pailleté. C'est là une édition spéciale. Moi, j'aimerais bien avoir Cendrillon. La pailleté, bien sûr. Et puis, bah, c'est du bonus. On verra bien. Allez, on commence avec celui qui est déjà à moitié ouvert. On voit que c'est du jaune. En jaune, on a quand même pas mal de monde. On a Cendrillon, la réponse. Et là, il y avait qui? Et Aurore. Bon, on va s'ouvrir ça. Ah! Je recule pour avoir plus de place. Je vois du rose. Je vois pas c'est qui, comme ça. Qui a des cheveux comme ça? C'est Aurore. Oui, ça doit être Aurore. Vous voyez, c'est toutes des petites pièces en 3D. J'espère que je vais savoir le monter. L'autre fois, j'ai eu besoin d'un coup de main parce que hop voilà hop ça c'est facile à monter sa petite couronne qui va juste là alors ça c'est passé quoi ça doit aller là non hop. Et ça, alors, ah, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est compliqué à mettre là-dedans. Hop. Et si je ne le mets pas dans le bon sens, c'est normal aussi. Voilà, comme ceci. Je ne suis vraiment pas bien dans le cadre. Voilà notre petite aurore. J'espère que vous la voyez bien. C'est pas des trucs à donner à tous les enfants. Sa chevelure est belle, sa couronne aussi. Par contre, c'est pas très. Ça ne tient pas des masses. Mais on fait avec. On a déjà eu Aurore. Du coup, j'ai pas regardé du coup le petit flyers. Mais c'est toutes les explications qu'on a eues. Voilà. Si vous voulez voir de plus près, voilà. Alors, on va commencer à ouvrir le deuxième. J'espère pas trop avoir de double. Ça, c'est compliqué. Désolée pour faire le bruit. Mais comme quand on l'ouvre, il n'y a plus rien sur les boîtes, je suis obligée de les garder. Je vous les montrer. Hop! Allez, on a la deuxième boîte.
Allez. Voilà. Hop. Si je vois bien, c'est Cendrillon. Cendrillon. Avec toutes ses pièces aussi. Hop. Alors. Elle est vraiment pas belle sans cheveux. Non, ça doit être comme ça. Au pouce, au pouce, au pouce. Vous voyez, j'arrive pas vraiment à la boîter. Ça, ça doit être ça. Ouais. Tu vas t'en boîter. On dirait qu'ils sont pas bien emboîtés. Bon, c'est pas grave, j'emboîterai ça à part après. C'est pour vous montrer de mieux. Voici notre petite Cendrillon. Très belle. Bon, j'ai pas enfoncé son crâne. Correctement. J'essaierai de faire ça après. Pour enfoncer correctement. C'est compliqué. On dirait que c'est vraiment pas bien adapté. Faudrait que, voilà, que ça. Du coup, on a deux jolies princesses. Il nous reste le dernier. J'espère qu'on aura... Je voudrais bien avoir la petite sirène ou la... Édition spéciale. J'essaie de... Hop. C'était mieux. Vous voyez, sur ça, il n'y a rien. Du coup, je voulais pas couper avant. Allez, on a des cheveux noirs. Noirs. En noir, il n'y a pas des masses, je pense. Ah non, je dois... Il n'y en a qu'une en noir. Je vous montre. Le papier, il n'y en a qu'une noire. Du coup, on a Cendrillon. Cendrillon. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Et tous ces petits éléments aussi. Voilà la figure de Blanche-Neige. La grosse tête de Blanche-Neige. Ah, celui-là par contre est plus facile. Son serre-tête. Celui-ci est mieux. Regardez, il s'emboîte vraiment tout seul. Je n'ai même pas dû forcer. Alors, après, ça, c'est quoi? Ça doit être sa cape. Ça doit être comme ceci. Hop. Du coup, si je mets la cape dans le petit... C'est dans l'autre sens, je sais pas, j'essaye. Ouais, ça a l'air que c'est comme ça. Non, ça c'est le bas et ça c'est le haut. Hop. Il y a toujours un élément qui veut pas bien rentrer. Hop, et ben voilà. Par contre, la tête est tellement lourde que ça tient pas. L'or bazar. Regardez quand je lâche la tête. Tout se casse. Elle a la tête trop lourde hein, pour ses affaires. Elle est trop belle aussi. Mais trop belle. Je crois que c'est une de... Je préfère celle-ci à part aux autres. Dites-moi en commentaire quelle que vous préférez. Je crois qu'en fait, ça tiendra pas tellement debout aucune, en fait. C'est pas vraiment pour mettre à... Ou alors coucher. Pour exposer. La tête est trop lourde. Blanche-Neige, elle ne veut pas rester. Bon, on va l'appuyer contre l'autre. Voilà. Dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez de toutes mes petites princesses. Moi, je dirais Blanche-Neige. Après, celle-là, la tête est montée. Celle-là, c'est déjà un peu mieux. Mais j'aime bien Blanche-Neige. Celle-là, il faut que j'arrange. Petit point de colle, peut-être. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire, lequel que vous préférez, moi Blanche-Neige bien sûr, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, bye tout le monde!